Je ne crois pas que la politique soit d'isoler la Catalogne. Ce serait une très mauvaise politique. Ce serait une erreur magistrale. Quand un pays a une région comme la Catalogne, une généralité comme la Catalogne, vous savez, elle a intérêt à son développement. Hein. Les low cost, ça a été, je crois, une évolution. C'est une évolution importante du transport aérien. Ça permet à beaucoup de personnes de prendre l'avion qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas le prendre. Donc, il faut considérer que ça a ouvert aussi des possibilités de développement. Cela étant, moi, je suis partisan qu'il reste des éléments de service public. Moi, je suis partisan qu'il reste des liaisons qui ne sont peut-être pas immédiatement rentables économiquement, mais qui peuvent être stratégiques sur le plan du développement. Cela étant, après, il faut discuter de la prise en charge des coûts. On ne peut pas demander aux compagnies aériennes privées de prendre en charge des coûts qui sont des coûts d'aménagement du territoire public. Ben ça, il y a un débat à avoir. Mais moi, je ne suis pas contre l'idée que sur certaines liaisons stratégiques, ben, elles ne sont peut-être pas tout de suite totalement rentables. En termes de rentabilité, il y a souvent une politique qui aboutit à concentrer sur quelques grands aéroports. Moi, je le regrette, hein, parce que les aéroports sont des facteurs de développement des régions. Barcelone a le droit d'avoir un aéroport compte tenu de ce qu'est le potentiel de la région. Je dois dire, d'ailleurs, même pour un certain nombre de Français des régions avoisinantes des Pyrénées, aller prendre l'avion à Barcelone serait peut-être une bonne solution aussi, parfois. Moi, j'habite Dunkerque. Je suis maire de Dunkerque, au nord de la France. Il m'arrive d'aller prendre l'avion à Bruxelles, parce que c'est une place aéroportuaire importante, qui a un grand rayonnement et qui n'est pas trop loin de mon habitation, plutôt qu'à Charles de Gaulle, d'ailleurs. Ça, dans les cas, je vais à l'un ou à l'autre. Donc, je crois qu'il faut offrir des possibilités.